Dans quelques mois, une nouvelle Miss France sera élue et succédera à Diane Ler. Et cette année, le concours de beauté a élargi ses critères. À tel point qu'une candidate pourrait bien marquer son histoire. Elle qui est maman et m'a à peine nommée Miss France en décembre 2021 que les équipes du concours pensaient déjà à celle qui succéderait à Diane. Les comités régionaux sont d'ores et déjà en train de faire passer les premières étapes de la compétition. Ainsi, prochainement, il faudra désigner Miss Alsace parmi 16 candidates. Et cette année, il y aura des choix bien différents. La raison, des changements ont été apportés dans le règlement et certains critères ont été assouplis. C'est de cette manière que Victoire Rousselot a pu se présenter, elle qui est âgée de 27 ans et qui est la première candidate maman et mariée. En effet, avec son compagnon de longue date, Nicolas, la jolie blonde a accueilli une jolie petite fille prénommée Lia, une situation qui était dans le passé interdite. En parallèle de son rôle de maman, Victoire Rousselot travaille en tant qu'assistante dentaire. À travers un post Instagram, pour se présenter, Victoire a évoqué sa position qui détonne et sort du lot, tout en assurant avoir l'étoffe pour être Miss. « Certes je suis maman et je suis mariée mais je suis avant tout une femme libre », a-t-elle déclaré. Et d'ajouter, « Il me tient à cœur de prouver qu'il est possible de conjuguer carrière professionnelle et vie familiale en étant la première Miss Maman ». Le statut marital n'est pas le seul grand bouleversement de cette nouvelle sélection au concours. La limite d'âge à 25 ans a également été supprimée, tout comme l'interdiction d'avoir un tatouage, à la condition toutefois qu'il ne dépasse pas la taille d'une caisse. La compétition est également ouverte aux candidates transgenres, tant que le sexe féminin est inscrit à l'état civil. Le 19 juin prochain, Andrea Furet aura donc l'opportunité de concourir pour remporter le titre de Miss Paris 2022. La prochaine cérémonie Miss France est quant à elle attendue à la fin de l'année à Châteauroux, à une date encore incertaine. La ville de Centre-Val de Loire accueillera l'événement dans la salle du MAC 36, 5 ans après le sacre de Miss France 2018, Maëva Cook.